c'est la première fois que nous organisons un voyage d'études dans ce pays. Ça m'a paru indispensable de faire connaître la Corée à nos étudiants, puisque c'est devenu un marché extrêmement important pour la mode et pour le luxe en général. Cette année d'études nous a influencé dans notre domaine professionnel. Pour ma part, là je suis actuellement en stage qui va se concrétiser par un emploi et on est très peu implanté sur le marché asiatique et là c'est une expérience qui va me permettre de mettre en avant les atouts de ce marché. Ça nous a permis de voir comment fonctionnaient les marques qui ne sont pas forcément d'origine asiatique dans un marché asiatique et de voir en fait aussi la vision, comment les produits sont mis en valeur sur un marché qui n'est pas forcément le même que celui des marchés européens auxquels on peut être habitué. Nous avons visité donc, le showroom de Ji Yong Lee, une créatrice donc, coréenne qui utilise des vêtements, des matériaux vraiment très nobles avec, en mêlant aussi bien l'aspect moderne que l'aspect culturel, en fait, traditionnel. En Corée, il y a vraiment un style en particulier, à proprement dit. Ils sont très intéressés par la mode, ça se voit dans les rues, ça se ressent. Il y a vraiment énormément de boutiques, enfin, les gens s'habillent bien, ils font attention à leur look. La rencontre, la toute dernière, c'était avec Burberry, c'était de me rendre compte à quel point la Corée elle est importante en fait au niveau mondial. Je m'en rendais pas du tout compte, mais vraiment au niveau de la mode, les créateurs, c'est vraiment très très créatif, original et je pense qu'il y a vraiment un grand avenir et moi je m'y plais vraiment en Corée. Je me vois franchement revenir en Corée, que ce soit pour faire un stage ou éventuellement pour travailler. Thank you.